Vive inquiétude pour Rime Renon. Ce 24 mars sur Instagram, la jeune maman a pris la parole en story, expliquant avoir emmené sa fille de 1 an aux urgences en raison d'une mystérieuse maladie transmissible. Rime Renon est une maman louve. Que ce soit avec sa grande de 2 ans et demi, Maria Valentina, ou sa petite dernière de 1 an, Alma, l'épouse de Vincent Keijo veille quotidiennement au bonheur et au bien-être de ses filles. Et elle est attentive aux moindres signes suspects. En juin 2022, la jolie brune s'inquiétait sur Instagram après l'apparition de boutons rouges sur le ventre de son aîné. Et elle avait dû attendre plusieurs jours avant d'obtenir enfin un rendez-vous. Hier on est allé au rendez-vous, on a eu beaucoup de chance. Moi, je suis resté à la maison avec Alma et Vincent est parti avec Maria. Si est-ce un petit virus, ce n'est pas méchant, je pense qu'elle a attrapé ça au Maroc. Il faut juste traiter et si est un traitement qu'il faut suivre 2 à 3 semaines, expliquait la jeune femme découverte dans la villa des cœurs brisés. Tout est rapidement rentré dans l'ordre pour la petite Maria Valentina, au grand soulagement de sa maman. De quelle maladie souffre Alma Keijo? Mais ce vendredi 24 mars, Rime Renon a de nouveau partagé un message plein d'inquiétude sur Instagram. Cette fois-ci, c'est au tour de sa petite Alma de faire face à un souci de santé. Une situation suffisamment inquiétante pour que sa maman décide de l'emmener aux urgences. Je suis venu avec Alma aux urgences car elle a commencé à avoir beaucoup d'aphtes sur la langue. Et elle ne mange pas beaucoup depuis 2 jours, a-t-elle confié. Quelques heures après, elle a partagé le diagnostic à sa communauté, sa petite fille souffre d'une stomatite herpétique. Il s'agit d'une inflammation de la bouche par un virus de l'herpès. Et comme cette maladie est transmissible, Rime n'a pas eu d'autre choix que de stériliser l'ensemble des biberons et tétines de ses filles. La jeune maman n'espère qu'une chose, que ce vilain virus passe rapidement.